Hey, what's up tout le monde? C'est Swazi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour parler de The Elder Scrolls Knight Tamriel Unlimited. Après la demande d'un abonné qui m'a demandé de faire un résumé du jeu pour le vous faire aimer, je trouvais ça comme concept génial. J'espère que ce type de vidéo vous plaira et pourquoi pas continuer cette série. Le gameplay en fond ne vient pas de moi, mais de plusieurs bonnes annonces que j'ai mélangées. Il faut savoir que Tezo, l'abréviation de The Elder Scrolls Online, le jeu est sorti le 4 avril 2014 sur PC, puis un an après le 9 juin 2015 sur les consoles Xbox One et PS4. Il est la suite de précédents opus comme Morrowind, Oblivion ou encore Skyrim, car cela est du même genre, mais Tezo se passe 1000 ans avant tous ces événements. C'est un MMORPG avec une aventure immense, des centaines d'heures à jouer entre amis et avec des moments de rire comme de rage. Bref, je vous présente The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Une fois rentré dans l'univers de ce jeu, il faut savoir qu'il y a trois alliances composées de trois races dans chaque alliance. Une alliance est une union, une faction ou ce que vous voulez tant que ça unit plusieurs races. Il y a le domaine Almeri composé de hauts elfes, elfes des bois et Khajiit. Le pacte de Kureben composé de elfes noirs, nordiques et argoniens. Et enfin l'alliance de Dagfinant composée de bretons, orques et rouges-gardes. On peut aussi trouver différentes classes comme le chevalier dragon, le sorcier, le templier et enfin le lame noir. Une fois cela choisi, vous êtes prêt à enfiler vos bottes et vos armes et direction l'aventure. Une fois niveau 50, vous penserez arriver au terme de votre aventure, mais 14 levels supérieurs appelés vétérans vous attendra. Et le système champion apparaîtra à vous et vous permettant à progresser, alors seulement vous réaliserez que vous êtes qu'au début. Tamriel n'a jamais été plus magnifique que dans Elder Scrolls Online. C'est un nouveau monde riche en batailles, d'une culture faite en tradition à conserver et la promesse de nouveaux amis, véritables compagnons. Mais une seule question vous est posée. Êtes-vous prêt ?